Sur la sortie 3 du métro, il tombait des cordes ce jour-là. Moi j'étais pas tellement chaud de me prendre une douche malgré moi. C'est en cherchant vite un abri qu'alors je l'ai aperçue de dos. Elle qui n'avait pour parapluie que son joli kiosque à journaux. C'est le genre de chose qui prévient pas, surtout que d'habitude, honnêtement, ceux qui vous vendent libelluma, c'est des moustachus bedonnants. Quand elle s'est retournée pour de bon, en me demandant si je voulais de l'aide, je restais figé comme un con. En un éclair, j'en étais raide. Je crois qu'elle aurait pu, ce jour-là, me refourguer n'importe quel torchon. Tellement j'étais plus vraiment moi, le cerveau en ébullition. J'ai fait semblant de chercher un peu pour grignoter quelques secondes. J'étais cet agent malicieux planqué derrière la une du monde. Et comme dans toute bonne filature, il s'agit pas de se faire griller. J'ai pris Charlie pour la lecture et je lui ai tendu un billet. Quand pour me rendre 3,20€, elle a choisi que des petites pièces. Elle m'a surtout frôlé la main et j'ai pris une claque de tendresse. Sur le chemin jusqu'à ma porte, je me suis repassé la scène 1000 fois. Le coup des fossettes qui ressortent, moi je peux pas lutter contre ça. J'aurais voulu faire demi-tour pour l'emmener voir le tout Paris. J'étais même prêt à faire l'amour entre les un roc et voici. Un peu comme une gardienne de phare dans une tempête de magazines. C'est elle qui trône sur le boulevard et aux mêmes horaires qu'à l'usine. C'est le genre de femme, quand elle sourit, elle met de côté vos petits malheurs. C'est le genre de femme qui peut aussi vous faire devenir un grand lecteur. Je passais devant matin et soir, il a fallu un jour de pluie pour qu'enfin je change de trottoir et qu'une averse bouleverse ma vie. Demain je me lance et je lui tends un petit café dans un gobelet. Si elle se barre pas en courant, c'est que peut-être on sait jamais. C'est que peut-être on sait jamais.